Nous allons maintenant voir comment travailler un peu la réfraction dans Algodoo. On va commencer par se créer un bloc de verre, donc une forme rectangulaire où on va venir sélectionner le matériau vert. On va venir sélectionner le laser. Bouton droit, toujours, on est capable de changer l'angle, donc d'observer ici la réfraction et ici la réflexion qui va avoir lieu. Sur le matériau en question, donc on peut maintenant, parce qu'on a ajouté le laser dans notre construction, on a maintenant la possibilité de faire varier l'indice de réfraction. Donc ça nous permet de faire d'autres analyses. Un petit truc supplémentaire. Si on vient découper notre bloc de verre, donc on pourrait se créer ici un cercle. On peut venir ici le placer sur notre bloc de verre et l'opération géométrique, on va venir couper, donc en recliquant sur notre cercle, on pourra venir sélectionner et enlever un morceau de verre. Pareil ici de l'autre côté, donc on peut venir se créer une lentille avec ces opérations de couper là. Donc on se retrouve avec une lentille ici qu'on peut installer et observer les différentes réfractions qui peuvent se produire. Donc on peut se construire comme ça nos matériaux pour analyser la réfraction.